première fois que je montais en course, c'était, j'avais 15 ans. Donc, je voulais déjà monter avant, mais là, c'était l'âge limite. Comme pour aussi pour les jockeys, comme gentlemen, la même chose. Aussi à l'époque, il fallait passer un examen, etc. Donc. J'ai 70 ans et donc, il fallait reprendre une licence comme un débutant. Quoi. Il fallait 6 mois de stage chez un entraîneur, donc ça évidemment je l'avais. Et il y avait donc 2 examens, un examen, on simulait une course à l'entraînement avec départ, avec les stades de départ, faux départ, etc. Et puis, il y avait un examen théorique sur le code des courses, quoi. Qu'est-ce qu'il fallait savoir. Voilà, donc, et un examen médical. Voilà, donc il y a un médecin sportif qui valide que vous avez les conditions physiques pour exercer ce sport. Alors, il me semble, en France, il y a un âge limite. En Italie, il n'y a pas d'âge limite, il y a ça, quoi, où on passe l'examen, et y compris l'examen du médecin sportif, qu'on doit répéter tous les ans. Et donc, si votre condition physique est satisfaisante, ben vous continuez, quoi. Oui, j'ai monté en France. Déjà, quand j'étais encore en Allemagne, on allait souvent dans l'est de la France courir dans les hippodromes français, donc, et puis en Allemagne. Et puis, à l'entraînement, mes parents m'envoyaient, pendant que j'étais encore lycéen, m'envoyaient en Angleterre pour apprendre la langue, pour apprendre l'anglais. Et je montais à l'entraînement chez un entraîneur à Newmarket. Ça, c'était des vacances superbes, parce que c'était faire le groom chez un grand entraîneur, donc avoir accès à cette ensemble de pistes d'entraînement à Newmarket qui sont uniques au monde. Et donc, voir à l'époque les grands jockeys, les Lester Piggott, Douglas Smith, etc., c'était monter avec eux le matin au galop, c'était superbe. Quoi. Prochainement, certainement, j'ai au mois de septembre, il y a quelques occasions en Italie, donc il est probable que je monte de nouveau là. Il faut s'entraîner, il faut suivre un régime alimentaire. Et donc, c'est une hygiène de vie qui est extraordinaire. Donc, le contact avec les animaux, avec les chevaux, la nature, c'est un ensemble de satisfaction que ben, je n'ai jamais trouvé ailleurs.